c'était Camon, on se retrouve dans Horizon Zero Dawn. Je suis avec Aloy, nous sommes dans l'extension, enfin dans le DLC du jeu. Attention aux oreilles, j'ouvre la map. Oui, nous arrivons dans la plaie. Nous allons explorer cette nouvelle map et on reprendra plus tard l'histoire principale pour continuer à savoir qu'est-ce qu'on va trouver comme solution avec notre origine, puisque nous ne sommes qu'un clone apparemment. On verra ça après. Mais là, si vous voulez faire le pitch, on est arrivé dans la terre des Banuk et on a dû affronter une créature, la grilleuse démoniaque. Un épisode entier pour survivre et y arriver. Si vous voulez rire, si vous voulez vous moquer de moi, regardez l'épisode précédent. Là, c'est le 57e, on avance. Et on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, c'est quoi ça? C'est une bougie pour... Ouais, c'est une déco Banuk. Allez, c'est parti les amis! Ça me rappelle un peu le terrain quand j'ai affronté la créature en haut. Est-ce qu'on a repopé en bas? Il y a une faille. On s'en moque, on est déjà full. De toute façon, c'est toujours des branches ou des câbles, tout ça. Il n'y a pas de problème. Et ça aurait été bleu. Ok, mais là, la couleur que ça avait, ça ne me tente pas. Allez, vas-y, Aloy. Elle est svelte. Elle est bien plus sportive que moi. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Alors attention. Donc ils nous font l'escalade ou on fait le tour à pied? Je comprends pas trop. On est déjà passé. Ça aurait pas reset le monstre. La plante de soin, j'ai pas beaucoup. Et là c'est quoi? Plante médicinale. Eh bah oui. Côté armement, on est bien. Ça me rappelle quelque chose. Et les biquettes? Ah mais oui, ça me rappelle. Alors faut savoir que je n'ai pas rejoué à Aloy depuis au moins deux semaines, voire trois, je ne sais plus. Ok, bah on continue. La forteresse est protégée. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Ah, et oui, dès le début, hop, une photo. Est-ce que c'est quand même beau, avouez-le. Allez, étrangère dans la montagne, oui. Ok, c'est un accueil comme un autre. Une plante ardente. Par contre, en bas à droite... Ah oui, d'accord, j'ai pris celui-là. Voilà, Banuk. Excellent. Donc, ça veut dire que les gens qui n'ont pas eu le DLC, moi, je l'ai eu totalement, je ne sais pas ce qui se passe, ils découvrent avec moi. Sauf que c'est une console, évidemment. Je pense pas qu'on ait besoin de nos armes, là. Oh. Toutes ces lianes fluorescentes. Ha! Vous êtes sûr d'avoir assez chaud là-haut, Nora? L'escalade m'a bien fait transpirer. D'accord. Avec des aurores boréales. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura des coffres cachés? Juste comme ça? Non. Vous êtes arrivé à la plaie, étrangère. Vous n'y resterez pas. Merci, c'est sympa. La plaie. Regarde, et le soleil se lève. Waouh. Mais c'est un volcan. Mais c'est un volcan. Oh là là. Alors ça. Sans filtre, sans rien, je suis amoureux déjà du cadre. De la fumée s'échappe de la montagne. Et du village aussi. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, mais je suis obligé de faire des photos. Je suis désolé pour vous. Mais... Est-ce que tu peux me regarder par là? Non? Est-ce que tu peux sourire?
tu fais la grimace. Il y a le flocon de neige. Excellent. Je sens que ça va être bien. Explorer la plaie, c'est fait. Trouver l'origine de la fumée. Je dirais que c'est un volcan, mais je suis pas sûr. Oh, quoique, ça a l'air démoniaque. La corruption? Statue Banuk, elles sont belles. Elles sont très belles. Hugues. Qu'est-ce qu'on voit en bas? Donc on a une forêt de pins, on avancera au loin, on va aller jusque là-bas. On voit pas un dinosaure mécanique géant. Est-ce qu'on voit un grand coup? Ah ouais, on en est loin, on en est très loin. Oh là là, c'est immense. Excellent. Comment faire confiance au chef quand tant de chasseurs sont morts sous ses ordres? Ok, ça met l'ambiance, déjà. Alors, par contre, là, on va le regarder, celui-là. Vous qui êtes mort au fût du tonnerre, notre champ ne sera pas oublié. Éclat. Bon, bah, vous voyez, hein, les coffres blancs. Bonjour, garde. Les jeunes chasseurs ont appris une leçon essentielle au fût du tonnerre. Parfois, la... Excusez-moi. À une époque comme celle-ci, il ne faut pas oublier l'importance des cérémonies. C'est vrai. Je pense qu'ils ont eu un drame, hein. Ça va être dur pour eux. Il y en a partout. Notre chaman nous a abandonnés. Notre chef de clan a mené les meilleurs. Faites confiance à Ouréa. Elle reviendra, qu'ils disent. Pourtant, on attend toujours. Les femmes attendent. D'accord. Très sympa. Banuk, c'est admettre que la mort peut survenir à tout moment. Le chasseur le savait. C'est un peu comme les Nora, quand même. Très grande tente. Ah, c'est vrai que je pourrais prendre le temps de dire bonjour à tout le monde, quand même. Oh, une mamie Banuk. Que le chant des disparus retentisse éternellement. Aïe, 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 aïe. Ça me rappelle un truc pour dire à quel point je suis jeune. Quand j'étais petit, à la télé, passait un truc. C'était sur les légendes indiennes. Je sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, les plus anciens. Avec des ambiances, des légendes, des histoires. Ils refaisaient des reconstitutions. C'était impressionnant. Enfin, quand j'étais gamin, quoi. Si ça vous parle, faites un commentaire. Il doit y avoir un événement. Avec tous ces habitants qui se dirigent vers la fumée. Enfin, ils vont faire quoi? C'est la fin du monde pour eux? La station mur tombera sur la tour Eiffel. Oh là là. Un petit clin d'œil à Paco Rabanne, hein, au passage, qui a des plus grosses conneries possibles en France. Alors, où on a du verre? Approche-toi, la caméra. Boîte de flambeur d'éclat, boîte au trésor. Coque déco, fil électrique, potion stérile. Je dois poser quelque chose. Oui, je sais, on est full et on va regarder justement. Objets spéciaux. Le châtiment très rare. Donc, c'est vrai que j'ai tout ça des collectionneurs, mais je n'ai jamais été à fond. Et ça, c'est quoi? Corde de ligotage fine. Je viens pas de décomposer mon truc de voyage instantané. On est d'accord. Je crois que je l'ai fait. C'est pas possible. Faudra que j'aille le rechercher. Quoique, en même temps... J'en ai combien? Des packs de voyage. 25. Ouais, non, ça va. C'est pas indispensable. C'est pas mal. Banuk un jour, Banuk toujours. Allez, Perforas, sort de là. Le camp est grand, on va tout voir. Si on trouve d'autres coffres, ça serait pas mal. Non. Est-ce qu'il y a des plantes médicinales?
Regardez, la neige, quand même. Non, mais... Oh là là. C'est vrai qu'au record et à la compression, ça rend moins. Mais alors, c'est impressionnant graphiquement. Moi, je suis toujours aussi fan. Ce jeu est beau. Allez, on suit le GPS. Un feu de sauvegarde, super. On l'a mérité celui-là. Il les a simplement. Excusez-moi, pardon. Faites place. Tu n'as pas dû voir ça souvent, Laura. Burgrave, fournisseur de matériel. Généralement, les Banouk brûlent leur mort. Pas aujourd'hui. Ils n'ont pas pu récupérer les corps. Ouais, une sale histoire. Leur meilleur guerrier, mort. C'est le chaman ? Leur offre des funérailles dans l'autre jour. Les cadavres sont attachés au poteau. Votre peine, mes chasseurs. Tu es là. Nos proches ont trouvé le destin auquel tout Banouk aspire. Tomber la lance plantée dans l'acier. Leur combat est terminé. Vous avez vu comme moi leur esprit s'élever dans le ciel et plus haut vers la lumière bleue. Mais notre combat commence à peine. Bientôt, nous reprendrons la chasse contre le Daemon qui rend les machines folles de rage. Je vous le demande. Aurez-vous le courage de vos chers disparus? Pourrez-vous combattre et mourir aussi dignement? Les machines. Des machines ont tué les meilleurs d'entre eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Retourner là-haut. Idiot. Tu veux un conseil? Entre nous. Oui. Aloy. Ça fait déjà deux longs hivers que je suis là. Et je n'arrive toujours pas à comprendre les Banouk. Tu vois cette pagaille? Tout a commencé quand l'un de leurs chamans, Ouréa, s'est mis à parler partout d'esprit et de démons au sommet du fût du tonnerre. Ils ont envoyé leur Vérac là-haut, et la moitié se sont fait tuer par des machines. Quand Ouréa a disparu, je pensais que cette folie avait disparu aussi. Mais non. Voilà le grand Aratak qui les prépare pour retourner au sommet. Et c'est Ouréa qui a parlé de ce Daemon ? C'est ça. Elle a dit à Aratak et aux autres qu'ils vivaient en haut du fût du tonnerre. Et ils l'ont cru. Mais toi, non. Écoute,
Je ne sais pas ce qu'Ourea a trouvé là-haut. Un chaman ne parle pas à un étranger. Les machines de la plaie sont de plus en plus agressives, c'est un fait. C'est peut-être à cause d'un daimon. Ou peut-être qu'elles ont toutes une indigestion, qu'est-ce que j'en sais. Mais Ourea n'est plus là pour l'expliquer. Elle est partie. Personne ne sait pourquoi. Alors, Aratak, ce chef. Cet Aratak est un guerrier renommé ? C'est un chef Verak. Sa voix impose un profond respect. Mais on ne l'entend pas souvent. Ce bonhomme parle autant qu'une truite morte. Mais quand Ourea et lui sont arrivés avec leur Verak, ils ont attiré plus de Banouk que je n'en avais jamais vu. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre ? Ma propre route commerciale se prolongeant jusqu'à la Roquette. Et puis, il a choisi d'emmener tout le monde mourir entre les griffes des machines en colère. J'ai perdu mes meilleurs clients. Bon, on a un bon pitch là, c'est excellent. Un Verak, je suppose que c'est une tribu ? C'est quoi ces Verak au juste, Burgrend ? Un genre de tribu dans la tribu ? Ce n'est pas comme les clans de mon peuple. On n'en fait pas partie dès la naissance. Il y a des épreuves. Si tu prouves que tu es la meilleure, tu gagneras peut-être ta place. Certains Verak sont temporaires, d'autres sont aussi durables que le métal. Tout le territoire Banouk, Banour, regroupe juste les plus grands et les plus anciens Verak. Je sais pas trop si c'est plus clair ou plus confus. Bon, une chose est sûre. Chaque Verak a un chef de clan et un chaman. Ensemble, ils prennent les décisions. Tout irait bien si les chefs n'étaient pas aussi têtus et les chamans perchés dans les nuages. C'est une bonne vision, commerciale. Silence, est-ce que tu le connais, tiens ? Toi qui es marchand, celui qui me parle à l'oreillette. Tu as entendu parler d'un certain Silence ? Grand, trop sérieux, des câbles partout, comme un chaman ? J'ai entendu ce nom une ou deux fois, toujours à mi-voix. Comme un croque-mitaine que les Banouk veulent oublier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il a fait quelque chose au conclave. Ou peut-être l'inverse. Le conclave ? Les chamans les plus importants se rassemblent à Banour de temps en temps, pour se tenir au courant de toutes les dernières nouvelles. Ne me demande pas comment ils font pour tous tenir dans la même tente sans que leurs énormes coiffes s'en mêlent les unes dans les autres. Ourea y est déjà allée. Mais quand je lui ai demandé des détails, elle m'a lancé un regard noir. Si tu veux en savoir plus, mieux vaut lui parler. Et l'amadouer, d'abord. Bonne chance. Silence serait un Banouk ? Alors ça... Bon, les Banouk, c'est bon, le démon. Je veux en savoir plus sur ce daimon. C'est des fadaises, Aloy. Ou c'est plus compliqué, en lien avec le comportement des machines. Bon, tu vas devoir trouver Ourea. On l'a vu partir vers les montagnes qu'ils appellent les aiguilles de glace. Déjà, on va pas là-bas, ouais. On dit que seuls les chamans connaissent la piste qui traverse ces pics glacés. Mais je sais où tu pourras trouver son apprenti, Naltouk. Il est parti chasser des rumeurs, loin au nord d'ici. Des rumeurs ? Et pas des bonnes. Des attaques soudaines dans la neige, d'étranges structures. On parle même d'une machine d'un genre jamais vu encore. Tu m'as totalement convaincu. Merci pour tout, Burgrend. Y'a pas de quoi. Je me demande si Aratak pourra m'en dire plus sur Ourea ou le fût du tonnerre. Attends, il est là-bas. Ça vaut le coup d'essayer. Je suis d'accord. Une quête secondaire. Julie a du talent, mais pas autant qu'elle. Bon, plein de promesses en tout cas. Certains disent que les œuvres de Séculi prédisent... Tu as l'air triste, étrangère. Tu parlais d'une inondation. Ah, on t'a pas entendu, hein. Un flot soudain, sans pluie ni dégel pour l'annoncer. Je suis Lolaï, percussionniste du Rafu. Ou je l'étais, avant que les eaux ne l'engloutissent. Le Rafu ? C'est quoi ? Une alcôve, sculptée par les anciens. Une chambre, un bassin et un instrument de musique tout à la fois. Ma vie, ma vocation. Je te l'expliquerai en jouant un air, mais... Mais tous les conduits sont engloutis sous l'eau. Sympa. Alors, le Rafu est un endroit et un instrument de musique ? Oui. Des conduits qui émettent une note parfaite sous un bassin qui l'amplifie. Okay. Un merveilleux édifice dont se servaient les anciens pour porter la musique au loin. Pendant la guerre, mon père faisait sonner des conduits pour rallier les Banouk contre les Karjas.
C'est mon rôle maintenant. Mais nos batailles se sont faites extrêmement rares. Je joue le plus souvent pour le plaisir, ou en souvenir de ma famille. Bien sûr, si les eaux ne baissent pas, à quoi servent le plaisir et les souvenirs? C'est bizarre. Les eaux sont montées d'un coup. Avant, tout était sec. Du jour au lendemain, la rivière voisine a quitté son lit et inondé le bassin. Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de pluie, pas le moindre nuage. Pourtant, je n'avais jamais vu la rivière monter aussi haut. En même temps, c'est le pôle Nord avec des flocons de neige. Ça ne bouge plus. Un barrage qui aurait cédé alors? Une crue sans pluie? C'est étrange. Où est-ce que c'est? J'irai voir si je passe dans le coin. C'est bien, Aloy. Au nord-ouest d'ici. Comme vous voudrez. Mais ça n'arrangera pas grand-chose. La crue ne va pas redescendre comme ça. Comment demander à une rivière de se calmer? L'heure a fui. Réduit au silence par les eaux. Alors, une autre quête secondaire à piocher. Tu vis encore. Tant mieux. Où ça? Alors que les anciens étaient tout juste enterrés et que notre peuple était balbutiant. Oh, attends, il y a quelque chose là. Il mena à travers les étendues glacées. C'est quoi ça? Nous nous souvenons aussi de la tribu vorace qui se plaisait à sucer la moelle de nos eaux. Une histoire! Où que Banukai et son Vérac puissent fuir. La tribu vorace les suivait de près. Cherchant un moyen de les vaincre, Banukai s'aventura dans les plaines et laissa le vent fouetter ses joues. Et lorsque le froid amena le sommeil, elle rêva d'une lumière. Elle la vit par-delà le monde, une vaste mer bleue apaisante. Elle vit aussi quelque chose de nouveau. Des hordes de machines, toutes emplies de cette même lumière bleue. À son réveil, elle savait quelle étoile suivre. Elle marcha pendant des jours et des nuits, jusqu'à arriver à un temple de glace étincelante. Aux portes du temple, elle fut accueillie par les machines de son rêve, qui s'inclinèrent lorsqu'elle entra. Là, Banukai découvrit la lumière bleue, émergeant d'un trou dans la neige, semblable à une source. « Tu m'as appelé, dit-elle. Mon peuple a besoin d'aide. Peux-tu la lui fournir ?» Les machines murmurèrent à Banukai. Nous allons là où va la lumière, car nous sommes ses calices. Les ténèbres sont dans ton cœur. Il ne peut contenir longtemps la lumière. Porte-la à ton peuple s'il le faut, mais tu en paieras le prix. Banukai entra dans le bassin. La lumière recula, tel un serpent prêt à mordre, et frappa Banukai, transperçant sa peau et l'emplissant. Banukai ne cria pas, malgré la douleur atroce. Banukai ne tomba pas, malgré les tremblements de ses membres. Elle sortit du bassin et porta la lumière en elle. Elle marcha vers son foyer et les machines marchèrent à sa suite. Alors qu'elle avançait, la lumière tentait de sortir de son corps, mais les machines étaient là pour l'aider. Elle referma ses plaies à l'aide des câbles, répara sa peau grâce à leur métal et contint la lumière. À son arrivée, les membres de la tribu vorace avaient cerné le campement. Malgré les 1000 blessures que lui avait infligées la lumière, Banukai chargea. Et comme la lumière était en elle, les machines suivirent. La tribu vorace fit bien des victimes, mais le Vérac jaillit du campement pour se joindre au combat. Ils récoltèrent des pièces sur les machines tombées et en firent des armes. C'est avec ces armes que le peuple de Banukai fit payer à la tribu vorace la souffrance qu'elle leur avait infligée. Lorsque le silence tomba, Banukai tomba également. Les machines s'inclinèrent et son Vérac pleura. La lumière qu'elle portait en elle s'écoula de ses blessures et monta vers le ciel. Et pendant un instant, avant que la vie ne la quitte, Banukai comprit enfin la lumière bleue. Et trouva la paix. Nous nous souvenons de Banukai, la première à s'extraire de la grotte du monde. Elle qui nous amena les machines. Lorsque nous prononçons le nom de notre tribu, ils appellent leur déesse mère. Mais oui. Alors, donc, on avait une quête secondaire par là-bas, ici. On n'a pas grand-chose. On va regarder la carte. Ok, il faut faire du tour, il faut aller là-bas. C'est joli, hein. Non, non, c'est chouette. Je suis d'accord. C'est un marchand. Oh, un marchand.
l'arc champion Banyuk. 12 cristals bleus. Oh, 50 de DPS. 50 de maniement, plutôt. Avec 3. 80. 50. 80. Attends, c'est des armes de... Ouais, 12. Là, il en faut 16. Le 14. Champion, frappeur. Ce sont des armes supérieures. Donc il m'en faut 30, il m'en faut 42. Est-ce qu'on peut acheter? Est-ce qu'on peut vendre des choses? Et on gagne quoi? On gagne des éclats. Mince. Donc on ne peut pas acheter déjà... boîte de chute de Benesh Banyuk. D'accord. Carte des cristaux. Une peau de chèvre et hausse de blaireau pour avoir la carte. Eh ben, on sait ce qu'on va faire. Donc, il faut deux peaux de chèvre, deux hausses de blaireau et on revient voir le marchand. Parfait. Pigé. On va chasser, les amis. Ah, j'adore cette mise en bouche. Nouvelle sauvegarde, merci, au revoir. Petit dérapage contrôlé, bonjour. On n'a pas le temps d'accueillir des étrangers. Mais si. Bon, si je veux comprendre comment ce Daemon influence les machines, je dois trouver Ourea. Et pour ça, je dois trouver son apprenti en suivant la rivière vers le nord. Oui. Étrangère, attendez, juste une minute. Un marchand? C'est un chaman? Waouh! L'arme que tu portes, étrangère, cette lance, je vois la lumière bleue autour d'elle. Tu n'es pas le premier à t'y intéresser. C'est moi qui l'ai faite. Sur ton idée, mais tu n'es pas une chamane. Non. Juste du... bricolage. Les bricoleurs n'entendent rien à l'étincelle dans le métal, au chant qui résonne dans la matière. Mais on pourrait l'améliorer, la modifier avec l'aide des anciens. Ça m'intéresse. Loin d'ici au nord, il y a une grotte qui s'enfonce dans la neige. Et dedans, un nid d'oiseau métallique. Trouve un volatile que les chamans d'antan n'ont pas dépouillé. Tu trouveras un rail, dedans, long comme ta lance. C'est tout ce que je peux te dire. Un rail sur des oiseaux métalliques dans une grotte. Une journée comme une autre. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Et là, c'est quoi? C'est du soufre. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Cette Olgrud sous-estime les Banyuk. Ah, ils sont en train de teindre leurs vêtements. Pas aux bandits. Je dois préparer plus de teinture jaune. D'accord, c'est pas du tout du soufre. Ah, ils ont tout attaché avec des câbles électriques. Il fait du jaune. Rien n'est plus agréable que de plonger ses mains dans les bassins de teinture par une froide chaude. D'accord. La toile de ce matin est très réussie. Très vite. On a enfin l'explication du craft chez eux, c'est cool. Une amulette antique entaillée. Oh. Ah oui, on va découvrir des choses dans ce DLC. Alors, on a vu pendant l'histoire que les enfants couraient, ce qu'on n'a jamais eu avant. Ils ont rajouté de l'animation, c'est sympa comme tout. Alors, étudions ça un petit peu. On a des chèvres, non, peut-être pas par là. Il y en a quoi? Trouver Naltuk. C'est vieux, ça, on verra plus tard. Vilgun est où? Attends, tu me fais peur, là. Ah oui, non, mais ok. J'ai rien dit. Trouver la pièce de rail. Partie de chasse. Non plus. Camp de bandits, on en a fait plusieurs. Grand coup. Voilà, j'ai fait que deux creusets, j'avoue. Ah. L'armure antique, ça en avance. La voix des chamans trouvée d'Altuk. Je
jungle lac. Maudire l'obscurité. Ça, c'est pour la suite de l'histoire principale, on verra. On est parti pour un secret partagé pour améliorer. Du coup. Oh ! Tout en haut. Et enfin, je veux mes quêtes. Donc, c'est tout en haut, ça, d'accord. L'inondation, c'est où ? Ah, ça, ça m'intéresse. Eh ben, écoute, on va aller là. Ok. En rappelant qu'il faut des pots de blaireau et de biquettes. Oh, le troupeau s'en tient aux abords du camp. Ils restent ensemble cette fois. Attends. Un blaireau. On en verra un s'éloigner. D'accord, je ferai le guet ce soir. Eh ben, on va peut-être commencer à améliorer déjà nos crafts ici. Je sais plus ce que c'était, mais il faut le faire. Je l'ai pas touché. Oh, la biquette est coriace. Alors, le blaireau. Ah, on va faire le plein de viande. Ça, c'est bien de faire ça. Bon, bah, je pense que ça va être long, hein. On n'a pas un couteau à dépecer, on n'a pas une peau automatique. Canne de rivage, non. Noya électrique, ouais, bon, c'est pas indispensable. Voilà, par contre, je vais mettre ça de côté. La guimauve médicinale, je ne dis pas non. On refait le plein, les affaires reprennent. Ah. Un veilleur démoniaque. Les coureuses, oui, bon, bah ça. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Allez, partez ! Wouhou ! Je n'avais pas vu celui-là. One shot. Ça va, ça vient, c'est excellent. Hein. Ils veulent revenir. On va monter sur la colline. On va fouiller tranquille. Y'a rien. À part un écureuil. Un sanglier. Non. Il y a un autre marchand qui est là, qu'on n'avait pas vu. Ah ! On peut aller vers lui, on verra s'il propose les mêmes choses. Par contre, sa tenue est complètement gelée, c'est excellent. C'est pas une accroche là-haut ? Non. Alors, est-ce qu'on a des petits animaux ? Sympa les fleurs, hein. Sympa, sympa. Il n'y a pas des crocos dans l'eau glacée ? Juste un rat. Punaise. C'est bien, en fait on a un épisode du lore, du contenu, d'histoire de scie, leur tradition, j'aime beaucoup.
c'est que ça? Oh, petit pépère. Un gabon banuque, qui sont pas les champs. Des racines de corutrope. Bah, vous parlez pas? Je pense qu'on a tellement de mal à trouver des bestiaux, de toute façon, il faut avancer. Fleur médicinale. Guimauve médicinale. Là, on a quoi? Un veilleur. Non, je l'ai eu. Ouais, mais on a des choses à vendre, hein. Par contre, le sac médicinal, c'est vraiment bien. Ah, alors, une chèvre. Un blaireau. Les chèvres, ça va être comme les cochons, je pense. On va le faire à la flamme. Toujours pas. Aucun dégât. Sérieux. Ça apaisera ma faim. Je suis d'accord, mais allez, nature, chasse et pêche aujourd'hui. On a là. L'armblade. En voilà une biquette, elles sont belles en plus. Oh, attention bleu. Que animal porte bonheur, viande, c'est dur, viande. J'ai l'habitude. Ah ouais. Il a pas fallu que je descende. En direct, non, on va suivre la piste. Allez, on est presque arrivé. Je pense que c'est mérité d'avoir des pots, hélas. Ah! Dernier coup d'œil. Oh non, c'est qu'un sanglier là. Une peau de sanglier. C'est toujours mieux que rien. Et oh, attends, je rêve ou quoi? Mais c'est que des sangliers. Bon. C'est comme ça. Je sens que c'est une belle partie de chasse à tirer des banuques. Banuka, il serait fier de nous. Hugues. Des étrangers. Et des Karja. Que le soleil t'accorde une part de sa sagesse, jeune chasseuse. D'accord, et toi, t'es fourni. Qu'est-ce qui amène des Karja si loin de chez eux? La plaie regorge de machines et de dangers. Certains recherchent les deux et ils paient des gens comme moi pour les guider. Ça s'est mal passé ces fois. Et pourtant, j'avais emmené ce prêtre pour qu'il nous lise les signes. J'avais dit que la lumière du soleil était rouge, la nuit du... Mais ça ne te regarde pas, chasseuse.
que tes flèches trouvent leur cible. Bah, on essaye. On essaye. On a des choses à voler ou pas? Non. Alors, Festin, excusez-moi, bon appétit. Je fais ça depuis que je suis gamin. Bon conseil, ne fais jamais d'enfants si tu peux l'éviter. Non. Alors attends, c'est un homme qui se promène comme ça. Excellent. Le soleil est devenu trop indulgent. Sûrement l'influence des... J'ai d'autres préoccupations. J'ai rencontré une aura quand j'étais enfant. Et bah nous, on continue. Médecine. Burgrend a dit que l'apprenti d'Ourea était parti au nord de la rivière. Pas trop loin, j'espère. Et là, j'espère qu'on a une peau. Enfin une peau de chèvre! Comment ça? Ah, les ressources, on est quasiment full, là. D'accord. C'est pas grave? Si? Sachant qu'on a un marchand là. Ah ouais, c'est un peu embêtant, mais bon. Je ferai le ménage. Ne vous inquiétez pas. Donc encore deux pots de blaireau, une peau de chèvre, et on va finir l'épisode en allant voir la cible. Ça doit être Naltouk qui regarde cette... Oh. Tour. On dirait qu'elle émet une sorte de signal ou d'impulsion. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh punaise, haute patte démoniaque. Résiste, accepté et un symbole vert, faiblesse et zèle. Intéressant. Tour de contrôle. Je pourrais prendre le contrôle. Naltouk ? Qui es-tu ? Comment tu m'as trouvé ? C'est Burgren qui m'a dit où tu serais. Bah, il est têtu. Je lui ai répété des milliers de fois, je n'ai rien besoin d'acheter. Mais décidément, il ne veut rien entendre. Et je n'ai rien à vendre. Je veux juste trouver Ourea. Impossible. Là où elle est, seul un chaman peut aller. Elle cherche les conseils de la voix de la lumière bleue. Voilà quelle est sa tâche. Et la tâche qu'elle m'a confiée est d'observer l'œuvre du Daimon. Et de l'arrêter, si je le peux. Mais comment se débarrasser de ces tours? En quelques semaines, elles sont apparues dans toute la plaie. C'est de là que l'énergie du Daimon émane. On dirait une extension de l'IA. Et elle les répare. Aratak dit que ce Daimon rend... les machines folles. Regarde, celles qui ont des marques violettes, elles appartiennent au Daimon. Elles sont plus fortes, plus dangereuses. J'ai vu un phénomène similaire. Une corruption. Mais ce n'était pas le Daimon. Vraiment? Tu en sais plus que moi, alors. Ces tours, elles propageaient ta corruption? Non. J'ai jamais vu ça. Comme j'ai dit, elles renforcent les machines du Daimon. Nous devons les stopper. On va l'arrêter. D'accord. Tu veux arrêter l'œuvre du Daimon? J'ai deux idées. Mon arc et ma lance. Étrangère, attends. Tu peux me dire ton nom? Aloy. Bien. Si tu succombes aux machines du Daimon, je saurai comment t'appeler dans mon récit à Ourea. Sympa. Merci de croire en moi. Mais tu verras. Je réussirai. Et tu me diras où la trouver. Voilà, c'est ça, je pensais bien. Bah écoutez, on va se quitter sur cette note très joyeuse. La voix des chamans détruire ou pirater l'amour, la tour, pas l'amour. Et peut-être qu'on va mourir. En tout cas, merci de me suivre. Aloy est toujours là et jusqu'au bout, on saura ce qui se passe. Bye bye tout le monde.